Et bonjour, madame, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve ce matin pour le message du matin. Un réveil. J'ai été réveillée déjà dans la nuit. C'est juste horrible. Je partage parce que ben, c'est comme ça. Le matin, quand tu te lèves, tu aères ta chambre, tu nettoies, tu fais ton lit, tout va bien. Et le soir, quand tu vas dormir, tu rentres dans ton lit et ça te chatouille. Ben, tu donnes un petit coup, tu te dis c'est une petite bébête. Une fois, deux fois, trois fois, tu te dis il y a un problème. Tu vas allumer la lumière, tu vas regarder. Et là, tu te rends compte que plein de fourmis tout le long de ton matelas, les coutures là, hein, tout le long de ton matelas et avec leurs petits œufs. Et bien là, tu te dis, c'est pas possible, vu que c'est un nid juste immense. En une journée, oui, c'est bon. En quelques heures, elles ont eu le temps de venir s'installer, prendre ma place dans mon lit. Du coup, ben, tut-tut. Oblige. Et du coup, j'ai dormi dans mon salon. Et ce matin, j'ouvre mes yeux. Alors, je ne sais pas quel est le lien, mais bon, c'est comme ça. J'ouvre mes yeux et j'ai mon moi coloré. Qui est juste magnifique, j'adore, je kiffe. Maluna, c'est juste magnifique, merci, merci, merci. C'est beau ce que tu as fait, j'adore. Maluna qui a fait mon moi coloré avec ma petite iska d'amour dessus. Et elle a été dans les détails. Elle a fait mon troisième œil au-dessus de ma tête là. Les piercings, mais les deux grains de beauté, c'est vraiment dans les détails. Après voilà, hein, la couleur des chakras, les palmiers, la boule de cristal. C'est juste magnifique. C'est... je t'aime, ma Luna. Bim. Plein de bisous. Merci. Merci pour vos messages encore et toujours. Et malheureusement, bah justement, ma Luna m'avait prévenu que... je devrais, de par ces connexions à l'au-delà, que avec l'invisible, que je devrais mettre des barrières. Ouais, j'en ai mise. En fait, j'ai mis des barrières, mais sans trop de barrières. En fait, j'ai mis une barrière, mais pas très haute. Tu vois? Et donc, il y a des personnes qui l'ont enjambée, cette barrière. Il y en a certaines, les plus petites personnes, elles ont dû prendre l'élan, mais elles ont réussi à sauter par-dessus la barrière. Vaut mieux en rire, hein? Et surtout, si on m'accuse de choses que je n'ai pas faites, tu es sûr que je vais te valser vite fait, en fait. Ça m'énerve, belle âme. Belle âme qui m'a envoyé un message en me disant, mais je sens le truc, c'est que il y a une grosse dépendance derrière, il y a un gros manque affectif, il y a une grosse souffrance. Clairement, une immense souffrance.
de me dire que j'avais dit que j'aurais été là tout le temps pour toi, au final je t'ai bloqué sur Messenger, non, je ne fais pas ça. Quand je bloque, je dis déjà, je te préviens, je te bloque et je te donne la raison. Si je trouve que c'est inutile de te le dire et de te donner la raison, parce que tu m'as juste fait chier, je te le dis. Je te le dis pas, plutôt. Ça dépend. Je peux te le dire comme pas. Mais en tout cas, je veux dire que j'ai. Tu m'embrouilles. Tu es tellement embrouillé, toi, dans ta tête, que tu m'embrouilles, moi, en fait. Donc, arrête, s'il te plaît. J'ai pas envie de devenir méchante. Et je sens que c'est. Je sens malheureusement certaines personnes, je parle des mails que je reçois, je fais un petit coucou, c'est parce que je le sens de le faire en fait, d'accord? Aujourd'hui, c'est pas à toi que je fais ce petit coucou, ce sera peut-être dans 2 mois, dans 1 mois, dans 2 ans, dans 1 an, j'en sais rien si t'es encore là. Mais je dis coucou à qui je veux en fait dans mes vidéos, d'accord? Quand tu m'envoies des messages tous les jours et quand tu es persuadée qu'on est connectés l'une à l'autre, tu vois, les mots que tu emploies, la manière dont tu l'écris, je sens cette grosse dépendance et je sens cette grosse souffrance. Mais voilà, d'accord? Il m'est déjà arrivé de te dire coucou en plus. Voilà. Garde. Quand tu es énervé, redescends toute seule de ton côté avant de m'envoyer des messages en couillon, comme dit Créole, d'accord? Voilà. Chose dite, au bout de 7 minutes 28. On va passer au message. Je crois que c'est bon, c'est tout. Non, je ne t'ai pas bloqué, belle âme. J'ai quelle utilité de te bloquer, tu me fais pas chier. Mais là, je sens le truc de. Voilà, j'ai parlé de tout le monde sauf de toi. C'est parce que c'est pas le moment. Là, visiblement, je parle de toi, mais c'est pas dans le. Dans les bonnes énergies, belle âme, c'est nul. Donc voilà. Tu es toi, je suis moi. D'accord? Nous sommes tous connectés les uns les autres. C'est vrai. Je ne suis pas particulièrement connectée à toi. Et tu n'es pas particulièrement connectée à moi. D'accord? Tu as ton toi et j'ai mon moi. Ok. Allez, on y va. Je t'envoie tout mon amour, belle âme. Et je t'aime malgré tout. Malgré ton message. Alors, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Il fait très très chaud. Hein. Ah, merci, mes guides. Ils m'ont envoyé un petit courant d'air. Un petit air frais. Enfin, frais, c'est une manière de dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel jeu pour ce matin? Mais tu sais quoi? Et j'ai l'impression que ça va le refaire là. Ma manière de parler d'hier, ça m'a fait penser à une personne que j'ai connue il y a très très longtemps, en fait, avec qui j'étais, en fait. Et dans ma tête, je fais, mon Dieu, on m'a prédit un retour du passé, mais je n'en veux pas. Laissez-moi tranquille le passé, je ne veux pas le passé, laissez-moi. Et je suis en train de me dire, mon Dieu, mais j'espère pas que ce bonhomme-là, il va revenir quand même. Non, 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 hein.
La porte, elle est fermée au passé. Je ne veux plus, c'est fermé. On ferme les portes du passé. Par contre, les portes du devant, c'est grand ouvert. Les portes de l'avenir du devant. Oh mon Dieu, quelle souffrance. Les anges divinatoires, les cartes d'activation de la géométrie sacrée. C'est sérieux? D'accord. En tableau. Ok. L'énergie des anges divinatoires. Ensuite, le dernier, s'il vous plaît, mes guides. Le dernier, tu peux prendre ce que tu veux pour le 3 choix. C'est vrai? Est-ce vrai? On va encore une fois pour voir si c'est vrai. Et là, il me donne 10 000 cartes. Ils me disent oui, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Voilà. Ok. Donc, je vais chercher tout ça. Je reviens. À tout de suite. Oh, j'ai chaud. Donc, les anges divinatoires, la géométrie sacrée pour le court-métrage, le 9 cartes, et les gardiens de la lumière pour le 3 choix. Et oui, encore des choix. Oh là là, mais il y a une belle âme qui s'est fait un plaisir de m'emmerder avec ces trois choix, en fait. C'est un truc de dingue. Bloqué. Blocage total. Ça y est, tu vas aller faire chier quelqu'un d'autre. C'est dingue. Mais c'est ça, en fait, tu vois. J'espère pas le passé, il revient, les gars. Oh là 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 là. Si le passé y revient, je prends l'élan, je mets ma paire de baskets, je prends l'élan et bim, je l'envoie loin. Non au passé, je ne veux pas mes guides, je ne veux pas, d'accord? Ah bah tu vois, c'est cette pierre, c'est une calcite bleue, tu vois, j'adore. J'adore ce côté lisse et ce côté brut, tu vois. Et en fait, c'est une pierre intéressante, ils te disent. Une pierre intéressante pour la récupération et la relaxation. Je vais récupérer mes belles énergies avec tout ce petit négatif là, par-ci, par-là, qui fait un gros tas de négatifs là. Et je vais me relaxer. Elle contribue à abaisser la pression sanguine également. D'accord. Utilisée sur la gorge, elle favorise la communication claire. Non au passé. Je ne veux pas le passé, mes guides. Laissez que le passé me laisse tranquille, s'il vous plaît. Voilà. J'ouvre mes bras à l'abondance positive du présent et du futur. Ah mais je ferme, j'ai tout fermé au passé, laissez-moi tranquille. Ouais, et cette personne qui revient dans ma tête, tu vois, hier quand je parlais, je fais, c'est chelou quand même que cette personne elle revient dans ma tête. Et en plus de ça, je crois que je l'ai vu, enfin c'est pas je crois, je suis sûre d'avoir vu cette personne. C'était cette personne même en allant marcher, tu vois. Ça fait des années que je ne l'ai pas croisée, cette personne, tu vois. Elle promenait ses chiens. Et j'ai... Ah non, je veux pas. Non, allez. On y va, belle âme. Ah, ça me fait penser à un ami. Un ami qui est à l'autre bout de la terre maintenant, à l'autre bout du monde, et qui promenait ses chiens, enfin les chiens de sa sœur. Mais non, je ne veux pas mon passé, fini, clôturé, le passé est clôturé les gars. Je sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Allez, l'énergie avec les anges divinatoires, madame. Quel est le message avec les anges divinatoires? Alors, oh, de la joie. Ma luna me disait, tu es enjouée.
Hier, elle m'a dit ça. Eh oui. Ben ouais, figure-toi. Et dans la joie, il faut être dans la joie. Alors, est-ce que déjà, on m'avait expliqué le truc là? Il faut que je relise ça. Ah d'accord. C'est juste... Ah ok. Donc, attends, on vérifie. Je vérifie quelque chose. Archange. Ah, le rouge en fait, tu vois, parce que ces cartes-là, tu as les couleurs... rouge, vert, blanc, autour, bleu. Et en fait, le rouge, c'est l'archange Uriel. Et l'archange Uriel, c'est la compréhension. Il symbolise la compréhension. Alors, la joie. On te dit ici de te répéter, si tu le souhaites, avec cette merveilleuse carte de la joie. Je trouve de la joie dans la vie, quelles que soient les circonstances, tu vois? Même s'il y a quelques petits négatifs par-ci, par-là, qui au final fait un gros tas, et ben ma joie elle est encore plus grosse que ce gros tas de petits négatifs rassemblés. Tu vois? Voilà. Alors, à n'importe quel moment de votre vie, l'ange de la joie peut vous remonter le moral. Même dans les périodes de tristesse, il est toujours possible de trouver une raison pour se réjouir. Et c'est quoi qui me réjouit? C'est que j'ouvre les bras. L'abondance positive qui arrive dans ma vie. Vous n'avez pas besoin d'afficher un sourire figé. Demandez simplement le soutien de l'ange. Pour éveiller en vous une joie grandissante, essayez la visualisation de la flamme violette. Ouais, c'est violet derrière, tu vois. Asseyez-vous tranquillement. Demandez à l'ange de vous assister et imaginez autour de vous une lumière ou une flamme violette intense dans laquelle vous baignez. Sentez-la pénétrer chaque tristesse ou angoisse de votre être intérieur, transmutant la négativité en puissance positive et exaltante. Pour conserver et nourrir cette énergie nouvelle, assurez-vous de garder beaucoup de temps pour vous, ce qui enchante votre esprit. Ok. Oh, j'adore. Tu vois, c'est un peu... voilà. Faut pas qu'elle brûle ma carte, hein. Bon, elle est là. C'est génial. Joie. Quelqu'un veut te bisouter, belle âme. Veux-tu bisouter quelqu'un? Allez, c'est parti. En tableau de 9 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alchimie. Il y a une belle alchimie, là, dis donc.
Alors, on te dit, d'accord, par rapport à, concernant une alchimie, d'accord? Une alchimie. Donc, tu vois, c'est l'alchimie avec une personne. Pour moi, on te parle d'une personne là. Ou alors, voilà, l'alchimie avec une situation. On te dit, la tolérance t'invite à t'ouvrir à tout ce qui surgit sur ta route. Sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. D'accord? Tolérance face au, la tolérance, faire preuve de tolérance face au miracle de la vie. Il y a quelque chose, bah oui, nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route. Et là, visiblement, il y a une alchimie, il y a quelque chose de, il y a un miracle, belle âme. Ça y est, il revient. Non, hein, pas du passé. Pas de passé, pas de passé, pas de passé. Le passé, je n'en veux plus. Oh, une alchimie, mais qui t'apporte du bonheur. Il y a une alchimie qui fait que, ben, c'est ça. La fréquence du bonheur et de la joie. Voilà. Le bonheur, la joie. Ok. Oh, j'adore. Il y a quelqu'un ici. Il y a comme une énergie de bonheur grâce au dynamisme d'une personne. Et en fait, c'est le dynamisme d'une personne t'amène ici à... à t'imposer, en fait. Le dynamisme d'une personne, en rapport avec la joie, cette joie et ce bonheur, d'accord? Le dynamisme d'une personne t'amène à te reconnecter à ta toute puissance, en fait, et à vraiment prendre, faire les choix, les bons choix, en fait, pour toi. Oh, mais c'est très bien. Féminin divin. Il y a quelqu'un, une personne douce. Peut-être que c'est toi, hein? D'accord? Ou alors on te parle d'une personne avec qui il y a une alchimie qui t'apporte du bonheur, de la joie, le bonheur de s'imposer, le bonheur du dynamisme retrouvé, le fait, ouais, le dynamisme retrouvé. Un bonheur qui t'amène ici à t'exprimer ouvertement. Une compréhension du lien. Ah ben, une compréhension du lien, discernement. Sur le féminin divin, on te dit que la fréquence du discernement renforce ta capacité à contempler le monde et les gens qui t'entourent depuis un lieu d'équilibre à l'intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. La magie. Pourquoi ce détachement? Pourquoi cette énergie de détachement? C'est parce que bah, c'est magique, il y a de la magie ici. D'accord? Le violet qui revient. D'accord? La joie. Miracle hein, sur le bonheur. Hein. Il y a un miracle ici sur un bonheur. Mais on t'amène ici à te délivrer. Il y a un miracle qui te délivre. La miracle d'une délivrance. Le miracle, la miracle. Je sais pas. Le miracle, j'ai dit là ou le, je sais même plus. Le miracle d'un détachement.
Mais pourquoi j'ai mis là-bas alors que tu vois pas? J'ai mis là-bas en croyant que tu voyais quelque chose, belle. Donc, je vais les mettre devant moi. Tiens, je vais te mettre les énergies d'une communication claire, belle âme. Pourquoi j'ai pris mon papier? La communication claire. La relaxation, la récupération de l'âme. La récupération de l'âme. La récupération de l'âme pour te relaxer. Émergence. Alors, par rapport à une alchimie, on te dit la fréquence de l'émergence nous t'invite à vivre ta réalité avec l'innocence et l'émerveillement d'un enfant, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Il y a vraiment une belle alchimie qui t'amène ici à t'autoriser, à faire preuve d'autorité, beaucoup de passion, hein. Vivre ta réalité, vivre la réalité, beaucoup de passion avec un masculin divin ou pour toi masculin divin. Tu es amené à vivre ta réalité concernant l'alchimie que tu as avec une personne, énormément de passion, qui t'amène peut-être... Alors pour vivre ta réalité, pour vivre cette passion, la réalité de cette passion, on t'amène aussi à passer à l'action avec le masculin divin. Faire preuve d'autorité. Alors, on te dit la fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Et c'est en lien avec ce bonheur. Sur Terre, il y a la magie qui opère. La magie sur Terre. On y va, mes guides. C'est doux, c'est... Tu vois, ces petits trucs négatifs, ils t'embêtent pas trop, en fait. Tu vois, t'es apaisé. Peut-être dans le vide également. Tu fais le vide, c'est ça. Tu fais le vide, madame. Synergie. Alors, avec le féminin divin, concernant le féminin divin, pour toi féminine ou concernant une féminine, on te dit, la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. C'est beau. Eh oui, parce qu'il y a du changement ici. On a du changement, Gaïa, la terre-mère. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre terre, à notre mère, la terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Tu vois, c'est comme si que toutes ces petites choses qui se passent amènent, engendrent quelque chose, amènent, fait que quelque chose, fait qu'il y a, fait partie du changement en fait, d'accord? Fertilité.
Alors, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active le potentiel pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Sur une alchimie qui émerge, qui. Une alchimie qui est amenée à se vivre dans la matière, à un lien, une belle alchimie avec une personne que tu es amenée à resserrer, en fait, tu vois. Plexus solaire, la magie. Tout se passe au niveau du plexus solaire. Eh ben, tu vois, le jaune, belle âme. Plexus solaire, la magie. La magie opère là tout de suite maintenant. Bim! Ok. Guérison au niveau du plexus solaire, belle âme. En t'ouvrant, en fait, en t'ouvrant à une alchimie, à un lien, d'accord? En t'ouvrant à une alchimie, en faisant vivre, en vivant dans ta réalité cette alchimie, tu guéris. Tu apportes la guérison au niveau du plexus solaire. C'est vraiment un pas, ce pas qui fait que, d'accord? Ce pas réel, un pas réel. Le pas vers la réalité. Guérison, c'est ça, d'accord? J'adore, merci. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonie les informations que nos sens nous transmettent, d'accord? Impose le bonheur que tu veux, que tu souhaites. Ce bonheur, cette joie, impose-la. C'est vraiment, il faut l'imposer, ça, tu le veux. Ceux qui t'embêtent avec leurs petits négatifs, tu leur fermes la porte, en fait, d'accord? J'adore. Tout est lié, belle âme, d'accord? Tout a un sens. Bim. Discernement. En fait, c'est comme si qu'une féminine il y a une fémi... Oula. Il y a une féminine qui renforce la tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. J'ai bien dit. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. C'est comme si que cette énergie de synergie, c'était grâce au féminin divin. Donc à une féminine face à toi ou alors au féminin divin à l'intérieur de toi, d'accord? Que tu sois homme, femme, ta part féminine. Et qui t'amène à renforcer ta capacité à contempler le monde et les gens qui t'entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Voilà, on te l'a déjà lu, mais elle est là. Croyance, belle âme. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Chakra coronal. Ben voilà. Croyance, lien puissant à la source. Écoute, le violet. Chakra coronal. La fréquence du chakra couronne. Chakra couronne, oui, coronal. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter une énergie négative en lumière, belle âme. C'est juste magnifique, là. D'accord?
Ici, vous prenez. Allez, pour faire le tour du tableau. Enfin, le tour, oui, ça même. En fait, c'est comme si que tu étais amené ici à t'imposer dans ta vie, à imposer tes choix, tu vois, à imposer tes choix concernant. Mais tu es amené à faire preuve d'autorité aujourd'hui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a ici une alchimie. Une alchimie. Tu es attiré par quelque chose. Il y a une alchimie. Quelque chose de puissant que tu comprends. Qui t'amène à comprendre les choses. Qui t'amène à comprendre ta vie. Qui t'amène à te retrouver dans ta vie, en fait. Qui t'amène à prendre ta place. D'accord? Le féminin divin, une féminine ou ta part féminine, elle prend vie là. D'accord? Elle t'amène à t'ouvrir à ton monde, à t'ouvrir au bonheur. Parce qu'en t'ouvrant au bonheur, tu as la guérison. Le bonheur que tu vas ressentir intérieur, à l'intérieur de toi, ce bonheur que tu vas ressentir va te guérir. Le bonheur va te guérir. D'accord? C'est comme si que tant que tu ne t'ouvres pas à ce bonheur, la guérison sera beaucoup plus longue, beaucoup plus difficile. Difficile et longue, j'entends. D'accord? Quelle est ta réalité? Quelle est ta réalité? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ton enfant intérieur te crie, te murmure, te chuchote? D'accord? Et on te dit d'être tolérant, tolérante et d'accepter. Que certaines unions, que l'union de base est incertaine, que l'union incertaine ou inconnue, qui engendre en toi une nouvelle manière de fonctionner, d'aimer et d'être. Est-ce que j'ai bien dit là? Non. Ton enfant intérieur te dit qu'il renforce. Ta tolérance et l'acceptation et ton acceptation à l'union incertaine ou inconnue qui engendre de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Voilà, merci mes guides. Ton enfant intérieur te rappelle que tu dois embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à ta réalité. À ta nouvelle réalité. C'est beau. Le temps est gris. Le temps est gris, mais c'est un gris agréable, c'est un gris apaisant, c'est un gris. C'est un beau gris. J'ai une émotion qui monte. Mon Dieu. Bonjour présent, bonjour futur. Au revoir passé. Au revoir passé. Ok. Alors, on y va, belle âme, en trois choix. Allez, on y va.
Tu vois, cette alchimie, ça peut être avec toi-même. Hein. Ta part masculine qui va se compléter, qui va se raccorder à ta part féminine. Allez, mes guides, pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. On y va. Première, deuxième, troisième belle âme. Première belle âme. Deuxième et troisième belle âme. Le jaune. Ben, tu vois le jaune. Ah bah ben, c'est marrant. Vous allez me dire, bah ben, oui, tu en as sur toi. Mais les petites fleurs dans les arbres, elles sont jaunes là devant. Tu vois. Petites fleurs. Petites choses. Alors, troisième, deuxième belle âme. Et la troisième, c'est pour te mettre. Le choix. Le trois choix, belle âme. Ça t'énerve, c'est bien. Trois choix. Youpi. De la joie pour ce trois choix, belle âme. Voilà. Allez. Ah ouais, mais maintenant je vais plus me fatiguer hein. Déjà, je pense que tu as très bien vu que quand tu mets un commentaire, alors troisième choix, c'est là. Quand tu mets un commentaire, ça publie pas tout de suite en fait, tu vois. C'est à moi de le publier, ton commentaire. Donc forcément, pour pouvoir le publier, je dois le lire. D'accord. Donc, je te lis, toi qui mets de la merde. Mais maintenant, je vais bloquer. Tu mets un truc qui me déplaît, bim, je te bloque. Comme ça, je vois plus tes commentaires, je vois plus tes trucs. Je ne sais pas comment ça se passe de ton côté. Est-ce que tu vas pouvoir encore écrire des choses, mais sauf que je ne les verrai plus, tu vois. Ou alors, si tu verras que quand tu voudras mettre un commentaire, tu ne pourras pas. Commentaire non disponible. Je ne sais pas. Alors, Cernunnos, mais c'est celui qu'on a eu en d'autres decks la dernière fois qu'on a utilisé ce jeu, je crois, non? La force de vie. Exprimez votre passion intense, belle âme. D'accord? Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Il y a quelque chose là. Allez, belle âme, premier choix. Première belle âme, premier choix. Vierge Marie, paix et amour, belle âme. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. Alors, Maman Marie te dit: il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Voilà, c'est pour ça que je vais arrêter, moi. Hein, tu me saoules, je te bloque. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Mère, Marie, mais la mère divine de l'acceptation vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Je te pardonne, belle âme. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer. De créer votre bonheur à vous. Voilà, crée ton bonheur, belle âme. D'accord? Ton bonheur. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Si elle vous manque,
si vous avez perdu le contact avec elle ou si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. Et oui, parce qu'il y a également la guérison. Belle âme, Maman Marie, peu importe qui tu crois, mais bon, visiblement, tu crois en Maman Marie si tu as fait ce choix. Maman Marie, pour ton bonheur, t'apporte la guérison. Deuxième belle âme, deuxième choix. Eh ben, on a tout le monde, t'as vu? On a même lui. Maître Bouddha, conscience accrue. J'adore, merci mes guides. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Vous avancez au-delà des illusions créées par la peur afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. La souffrance finit toujours par disparaître. Et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux l'épreuve. Appelez le Maître Bouddha pour qu'il vous aide à vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. La roue du karma tourne en votre faveur et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. Il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations ou votre travail. Elles vous sont envoyées par votre professeur particulier, le Bouddha intérieur. Ton petit Bouddha à l'intérieur de tout. Troisième belle âme, troisième choix. Krishna, dévotion. Alors, vous avez une profonde connexion spirituelle et il faut croire la guidance qui vous vient. Votre dévotion à la voie spirituelle est reconnue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir viennent à vous maintenant. Krishna est là pour vous encourager, pour encourager votre connexion au divin et vous pousser à agir en accord avec votre âme. S'il vous faut prendre une décision, demandez-vous ce qui respectera au mieux votre âme et les gens qui vous entourent. Si vous choisissez le meilleur pour toutes les personnes concernées, vous vous sentirez encore plus proche du divin. Pour tous, Cernunnos, force de vie. Il y a un développement profond de la force de vie en vous en ce moment et un besoin de canaliser, de la canaliser dans l'action. Vous avez davantage d'énergie, plus de vivacité que d'habitude ou des besoins sensuels ou sexuels accrus. Si vous ne savez pas comment cela s'associe à votre chemin spirituel, sachez que cela peut vous permettre d'accéder à la richesse de votre âme. Quand nous n'exprimons pas notre sexualité, notre potentiel spirituel s'affaiblit. Alors, si vous vous refusez un désir, demandez-vous plutôt comment le réaliser. Demandez à Cernunnos de vous aider à accéder à votre côté sexuel afin de pouvoir l'exprimer avec intégrité, d'une manière qui respecte votre âme. Si votre couple essaie d'avoir un enfant, quand cette carte apparaît, la fertilité. Ah voilà, merci.
La fertilité est très probable, surtout si Brigitte, la flamme jumelle de Cernunnos, est également présente. Est-ce que Brigitte, elle est là? Alors, on m'a dit, elle est là, Brigitte. Alors, attends. On m'a dit de compter. En fait, j'ai compté et j'ai dit non. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. C'est 27, Brigitte. Écoute, par rapport à la fertilité. Revenez à la plénitude, d'accord? Reviens à la plénitude. Apaise-toi, belle âme, par rapport à la fertilité. Donc, tu as le chiffre 27. Donc, si ça peut... Bah, on me parle d'une naissance le 27, en fait. Tu vois? Ou d'une conception, justement, du 27. Conception, nous sommes même, hein, tu comprends. Voilà. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, en tout cas avec toi. J'espère que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite une merveilleuse journée. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour, avec bien évidemment 1000 bisous. Bye bye.